Ramène un peu ton bras, Benja. Ramène ton bras, ouais. Ça va, ça va. Ça avance pas beaucoup là. Ah non, bah non, c'est... maintenant ça se voit plus. C'est... Est-ce qu'on peut monter sur ta structure? Ouais, tu peux. Ouais. C'est du solide, on va pas se faire mal. Ah bah non, c'est du costaud. Ouais, ouais, ouais. C'est toi qui as construit tout ça? Non, mais je viens de faire la voiture. Terminé. Ah bah tiens, il est là-haut, grand Manitou. Il est là-bas? Ouais, c'est lui, le grand chef. C'est le bonhomme là? Viens, viens par ici. Avec ses Ray-Ban. Comme ça, ils verront où ça donne d'en haut. On va essayer de monter, ouais. Ouais, monter. Regardez ce qu'il y a là. C'est chaud ou pas? Tu peux pas le casse-cou, hein? Il m'a dit que c'est toi qui as construit ça? Bah, il a participé aussi. Ouais, voilà, mais moi, j'ai terminé, quoi. Moi, j'ai conçu, mais j'ai que deux bras et il n'y a que cinq doigts sur chaque bout de bras. Donc, ses bras et ses doigts étaient très utiles. Voilà, on a construit ça à plusieurs, mais oui, j'ai un petit peu réfléchi. Ça coûte combien, genre un truc comme ça? Ah, à faire ça, on a mis 3 ans et ça a coûté presque 280 000 euros. Et on n'a pas de sous. Voilà, donc on a mis 3 ans pour le faire et on a emprunté beaucoup d'argent dans les banques et on aimerait... Voilà, quelque part, ça met du piment parce qu'on est un peu obligé de s'investir très fort dans le spectacle parce que si ce spectacle est très lourd et donc qui coûte très cher à vendre aussi, on le tourne pas, et ben moi je vais bosser pendant 10 ans pour rembourser mes bêtises. Le fait d'être obligé de vraiment investir toute sa thune et plus que sa thune et s'engager sur... ça oblige à bien réfléchir tout ce qu'on fait en spectacle, à pas lâcher les choses en disant bon ben c'est pas grave, on essaiera de réussir le spectacle d'après. Ouais. Si on n'arrive pas avant celui-là, il n'y aura pas de spectacle d'après. Voilà. Mais c'est ça la vie d'artiste. Le tout tourne. Donc ça, tout ça, là, ça tourne comme une horloge. Le tout tourne d'ailleurs, ça tourne avec quoi? C'est un moteur? C'est un moteur de machine à laver. Sérieux? 750 watts. Une des orientations, moi, qui m'intéressait de réfléchir avec tout le monde, c'était de sortir un petit peu du parc de la préfecture, puis de commencer à utiliser des espaces un peu minéraux, un peu différents d'ici. Moins verdoyants, à la fois parce que je pense que c'est peut-être aussi, à ce moment-là, d'autres types de spectacles qu'on fait dans ces lieux-là. C'est aussi d'autres types d'artistes, dans la musique, dans les arts de la rue, dans le théâtre, il y a tout. Bon, et je pense que c'est bien aussi parfois de mettre un petit de secouer un peu le cocotier, de faire venir des artistes qui font bouger les choses, qui disent des choses, pas forcément d'ailleurs favorables aux élus, mais qui font bouger les lignes. Voilà. Voilà, moi j'aime bien que ça. Qui rentre dedans un petit peu. Voilà, qui rentre un peu dedans. Voilà, ça c'est bien ça. Que les gens se repartent en disant putain, je suis pas d'accord, merde. Faut que ça fasse réagir en fait. Voilà. Non, on va pas faire le salut, on va éviter de faire Aval, hein, c'est dégueulasse. Très longtemps. Tu vas regretter une fois que ça va passer. De boire un coup, parce que j'ai un médicament. J'ai une boule au-dessus. J'ai une boule au-dessus de la tête. Bah, je vais parler avec le thème, vas-y. Le thème, c'est l'argent, le pouvoir, le costume, l'uniformisation. Et... Est-ce que c'est l'homme qui porte le costume ou le costume Christian, qui porte on parle bien d'ailleurs. Christian, tu peux venir parler du thème du spectacle, parce que tu parles bien. Il faut que j'aille chercher ma chemise. Ah, ouais, non, mais on va aller chercher ta chemise avec ça. Et du coup, est-ce que tu peux me parler de comment vous comporter avec le public, parce que là c'est en happening, déambulation, machin. Oui, oui. Comment ça va se passer avec le public Sur la grosse version la grosse version. Sur là, celle que vous allez faire aujourd'hui. Les happening. Ah mais c'est tout est secret, là je peux rien te dévoiler. Tu peux rien me dévoiler. Non, parce que sachant que nous on va venir te filmer, donc on le verra quoi. Voilà. Donc, et que ça, notre truc en fait il est diffusé le dimanche soir. Donc, oui. Donc je peux te dire. Ouais voilà, tu vois. Thank you.
médicament. Ouais, ça va aller un peu mieux. Avec Homo sapiens, on a décidé de faire un truc un peu plus, plus rentre dedans. Donc c'est pour ça qu'on a fait. Ouais, bah disons que dans le sens de l'étymologie de, des arts de la rue, dans le sens où on voulait faire un spectacle qui soit vraiment que de rue, vraiment un spectacle qu'on ne peut pas jouer. Ce spectacle-là, il est impossible à jouer dans une salle parce que c'est un spectacle d'ambulatoire. Donc on est dans les gens, dans le public et dans l'espace urbain aussi. Parce que c'est plus agréable. C'est vraiment une question de plaisir. Au départ, c'était parce que pour en faire du théâtre, comme je ne venais pas d'une famille de théâtre et je connaissais aucun réseau, parce qu'il faut être un peu réseauté, quoi. Donc, je me suis dit, la rue, c'est facile. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, dans la rue, je peux faire n'importe quoi. Si j'ai faim, je peux y aller, je me mets au milieu de la rue, je fais une connerie, je fais un peu la manche. Puis je ramène de l'argent. Et donc je pourrais toujours m'en sortir, ce qui n'est pas le cas si je choisis le théâtre. Moi tout simplement, pour vous montrer que si je veux, je peux. If I want to do, I can to do. Ce bâtiment, pas plus tard que maintenant, eh bien je vais devant vous le lever. Je vais le lever à une hauteur de 2 mètres de haut. Ouais, parce que j'en ai envie. Oh bâtiment, à tous les étages. Oh bâtiment, lève-toi. Oh, c'est nul! Vas-y! Allez, allez! Allez, les gamins, là, on est! Je veux du monde là-bas! Allez, tout le monde! Allez, poussez, bordel! C'est vrai que pour moi, c'est facile de lever un bâtiment. C'est une préfecture, en plus, la forme qu'elle a, très aérodynamique, donc c'est très facile de lever ça. Et
j'aime bien mettre un peu plus de difficultés dans les épinards. Ouais. Donc c'est pour ça que je préfère que... On s'est dit comme ça, Basmati m'a dit, essaye de le faire au public. Ouais. C'est sur la foire sans nurse. Et c'est ce qu'on a fait. Et 3 cm, je trouve, c'est vraiment pas mal. Le spectacle se déroule dans la caisse d'épargne ? En grande partie. En grande partie. Vous voyez, vous avez une splendide architecture avec des ascenseurs high-tech qui montent, qui descendent. De Paul Dupont, on est dans la pure architecture du futur, Du futur de la fin du XXe siècle. Voilà, voilà. Dans un premier temps, c'est l'état de nos recherches. Déjà, ça consiste à bien vérifier que tous les sons qu'on fait laissent des traces, qui ne s'évanouissent pas forcément. C'est-à-dire que moi, quand je claque des mains dans un endroit, exactement. Ça va rester des empreintes. Vous avez tout compris. Dans les objets. Voilà, exactement. D'ailleurs, il y a un très bel exemple. Dans les vieilles souches de bois, il y a des choses aussi. Je vous invite à le découvrir. Ah ouais, mais c'est complètement fou en fait. Nous fouillons ce lieu pour y découvrir des sons du passé enfermés dans la matière. Malgré les apparences, vous allez pénétrer sur de réelles zones de fouilles. Je vous demanderai donc de vous déplacer avec précaution et dans le calme. Alors moi j'ai entendu des choses très étonnantes dans ce palmier. Donc vous posez carrément la membrane sur les branches coupées, là où vous voulez, ici, voilà, très bien. Vous avez des choses très étonnantes dans ces tiges aussi, là, c'est celle-ci, toujours très étrange, là. Vous branchez ici ? Vous entendez ? Je l'entends ici, sans ce télescope déjà. Donc avant d'aller au laboratoire suivant, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez entendu, par exemple, vous madame. Dans le palmier, j'ai entendu comme des cloches et du vent. Des palpitations. Oui. Dans quel... Dans les feuilles, surtout. Dans les feuilles. La circulation, comme la circulation sanguine. Vous le saisissez comme ceci, la visière bien devant, vous le prenez par les oreilles, comme un lapin, et hop, vous les écartez les oreilles. Et... Le son des pas. Très intéressant. Alors on va glisser sur l'immeuble Peugeot, qui lui aussi est totalement désert. Et qui agit, comme vous pouvez le voir, comme réflecteur de la caisse d'épargne que nous venons de quitter. On s'approche là. Allez-y. Un peu parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ouais, allez, encore. Super. Ok, tu cours dans l'autre sens. Impeccable. Expérience 327, numéro 1 bis, volontaire en orange, c'était très bien. Voir ton épée. Voir ton programme. Ok, je peux y aller. Bonjour à toi, expérience 327. Okay, now, everybody, send me your kisses. Everybody, come on, everybody.
yes, yes, come on, yes, yes, even the onions, I don't care, yes, oh yes, yes, oh yes, yes, I'm coming, oh yes, oh, pardon, pardon. Oh shit. Oh no, tous les bisous. Comment en fait vous construisez le spectacle, puisque l'ensemble est super chorégraphié, super fluide. Vous partez de quoi en fait? Eh ben, ça se fait en plusieurs étapes de création. Ouais. On a commencé par une première étape de 2 semaines, ensuite on a fait une présentation publique. Et je pense qu'il s'est construit avec le public pas mal. En fait, on voit comment ça réagit et puis du coup on reprend 2 semaines pour retravailler. Et on a fait ça 4 fois en tout et pour tout. On a fait 4 périodes de 2 semaines et donc ça avance progressivement. Ah ouais, parce que alors toi, comme ça, tu fais... Et ben moi, je fais... Quand tu fais... Voilà, donc là tu fais... Ouais, ouais, là, j'ai fait... Mais je peux aussi faire... Ah, tu fais... Je fais... Et il fait... Ah, mais je fais... Et tu fais... Et moi, je fais... Chacun amène ce dont il est sûr et ce qu'il connaît. Et on se connaissait pas à la première résidence, donc c'était vraiment... certains se connaissaient, d'autres se connaissaient pas, mais du coup c'était quand même encore... On n'était pas encore un groupe soudé comme on peut l'être maintenant. Et après, au fur et à mesure, au fur et à mesure des résidences, on arrivait avec des buts, tu vois. La deuxième résidence est arrivée en disant bon, il faut changer ça, parce que bon bah... Maintenant qu'on se connaît un peu mieux et qu'on sait ce dont on est capable, bon, faut, voilà. Donc il y a des parties qui ont bougé au fur et à mesure. The blood rushes from the head down to the feet. Get to look at those feet and rushes back to the head again.